Bonjour à tous. Aujourd'hui en une minute, l'Africa Twin peut vraiment faire des safaris avec. T'as un moteur 1100 cm3. Là, soit 6 vitesses manuelles, soit 6 vitesses automatiques. Pour le poids, environ 238 kg. Lui, 102 chevaux, 105 Nm de couple. Là ici, 24,8 litres. Tu fais plus de 400 km avec le plein. T'as deux roues. Une en 21 pouces et une en 18 pouces. Trois freins. Deux en 310. Avec étrier radial. Un ici, 256 mm. Et quatre. Il y a un frein à main de 825 à 895 mm. T'as des barres de renfort. Là-dessous, t'as un sabot en alu. Feu de jour à LED, feu de nuit à LED, phare d'intersection à LED. En virage, c'est clair le virage. Clignotant à LED. Et si tu vas trop vite, à LED. Et là, t'as des rayons. Et tu peux même avoir des suspensions pilotées. Tu peux même connecter ton téléphone. Et là, t'as Google Maps. Tu veux m'écouter faire vroom vroom. On a une moto pour aller dans les champs. C'est parti. Oh là là. T'as un écran full tactile. Et un autre petit écran. Ici, t'as plus de boutons que sur une Nintendo. Ici, t'as la boîte de vitesse. Pour démarrer la moto, démarrage. Passer la première. Drive. Tu peux te mettre en sport, t'as plusieurs modes ici. Gravier, ouais, ça y ressemble un peu. Avec le mode gravier, t'as un mode G pour faire des dérapages. En vrai, c'est super confortable. Et ça y va franchement bien. Tu peux vraiment rouler un peu partout avec cette moto, c'est ça qui est cool. La seule limite, c'est toi. Sur la moto, t'as également un régulateur de vitesse. T'as une bulle réglable sur 5 positions. Ça pique les yeux. Ça fait déjà une minute.